Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushel. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le vlog numéro 4 du Vlogmas. Je suis trop contente, je pense que vous commencez à savoir que je suis à fond dans ce thème là. Voilà, je suis épanouie quand on parle de Noël et autant plus quand je dois ouvrir un nouveau paquet donc tous les jours. Ben on va commencer par ça, hein. Je crois que c'est ce qu'on attend toutes en fait, donc c'est parti, je vais pas vous faire plus attendre. Donc le numéro 4, je crois que je l'ai sorti, voilà, il est par là, derrière. Il est comme ça, il est tout doré, il est trop mignon. Ce petit moumoune hein, qui s'incruste comme d'habitude, mais je pense que vous avez l'habitude. S'il fait tomber quelque chose, ne vous inquiétez pas, l'autre fois mon copain s'est pris le sapin sur la tête en pleine nuit. Voilà, un espace moumoune. Numéro 4, elle m'a écrit 4 nouveautés. Donc on va déballer tout ça. Trop hâte. C'est bien scotché en tout cas. Et en plus j'ai vu plein de paquets dans le swap et j'ai juste mes méga hâte, notamment celui-là, le numéro 6. J'ai tellement hâte de l'ouvrir, 100% coucou. Oh, il me donne trop envie. Ah, attends, on va commencer par ça. Ah, des tartelettes. Ça sent trop bon, j'adore les tartelettes Yankee Candle. Ah, la Winter Glow, je voulais trop l'acheter en grand format. Je ne l'ai jamais testée, à ce qui paraît elle est super, mais j'ai trop hâte de voir l'odeur. Ah, elles sont super bon, j'aime trop. Je crois que je vais la faire brûler après dans mon brûleur. Elles sont trop bon et je pense que je vais me l'acheter en plus grand format. Elles sont trop bon. Tout le monde m'en avait parlé que du bien et que c'était une odeur à avoir en fait pour Noël et tout. Ça sent trop bon, la Winter Glow, elle est trop belle en plus. J'adore le petit dessin dessus. La Cozy by the Fire, donc celle-là je connaissais pas du tout non plus. C'est bien pour l'instant, deux bougies et deux que j'ai pas, enfin deux tartelettes que j'ai pas. En fait je suis plutôt contente de découvrir de nouvelles senteurs. Et elles sont aussi super bien. Ça je pense que en soirée, enfin voilà, pour être en mode cocooning devant un film de Noël, elle peut être super sympa. En plus c'est un petit peu ce qu'ils disent en mode cocooning devant le feu. Donc ça c'est trop chou. Celle-ci c'est la Bundle Up au chaud dans la neige. Ah bah alors je connaissais pas du tout non plus celle-ci. Mais c'est des nouveautés. Oh, coup de cœur, elles sont trop bon. Ouais, bah je crois que c'est même ma préférée des trois. Elles sont terriblement bon. Oh non, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur. Franchement, coup de cœur, elles sont trop bon. Oh non, j'adore. J'adore. Franchement, je vais vous montrer les petits dessins. En plus, c'est trop mignon. Mais alors là, pour l'instant, c'est ma préférée des trois. Et la berry trifle, je sais pas comment on dit ça. Et pareil, je voulais trop l'acheter aussi. Et franchement, carton plein ma chérie, puisque les 4 là, je les ai jamais testés. J'ai hâte de les faire brûler. Je suis trop contente. Je crois que là, c'est le cadre idéal. Dites-moi ce que vous en pensez de ce cadre-ci. Je trouve que c'est le mieux que j'ai fait pour l'instant depuis le début des Vlogmas. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Et en plus, avec Moumoun qui est en mode 100% cocooning sur l'ordinateur, je crois qu'il manquait plus que lui en fait sur la vidéo. Et j'adore, j'aime trop filmer les vidéos de Noël. Je suis méga contente. Merci Mélanie. Je pense qu'on avait pensé à la même chose pour les bougies. Moi, je t'ai pas mis une tartelette, mais t'as vu dans ton Vlogmas numéro 1, je t'ai offert une bougie. Elles sont trop bon. Et je pense que je vais me la racheter quand je vais aller à Primark, puisque j'avais eu un gros coup de cœur quand je l'ai senti. C'est au calendrier de l'avant The Body Shop pour découvrir bien sûr le numéro 4. Donc c'est parti. Ouh, ça m'a l'air d'être je sais pas, un gloss ou un rouge à lèvres ou un petit parfum. Alors la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. J'adore les petites phrases qu'ils mettent dessus, c'est trop mignon. Ah, un crayon peut-être, un crayon à lèvres. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça doit être un crayon noir. Oui, crayon noir, colle, nuance noire. Donc ça, ben, j'en ai toujours besoin, donc c'est top. Voilà, parce que ça, à chaque fois on les perd, on sait plus où on les met. Donc c'est bien d'en avoir toujours un. Et je vais le retourner, j'espère qu'à chaque fois je mets bien à l'endroit les petits dessins quand je retourne. Mais bon, on verra bien, hein, parce que si ça forme rien à la fin, c'est que je me suis trompée. Donc voilà pour le The Body Shop. Ensuite on va ouvrir le calendrier de l'avant Kinder Chocolat. Il est en plein milieu. Hop. Oh, une petite barre Kinder, j'adore. Ils sont trop beaux, franchement. C'est une tuerie ça. Mon petit calendrier de l'avant mignon de ma chérie. Donc le numéro 4. Où es-tu petit? Il est en plein milieu aussi. Donc on va faire comme ça. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Suspense. Oh, c'est une couronne. C'est trop beau. Une couronne qu'on accroche, vous savez, devant la porte et tout. C'est... Je mange trop fort. Ce goût.
Donc j'ai décidé en fait pour cette vidéo-ci de vous faire une vidéo en fait sur 10 choses qui m'ont marqué sur cette année 2015, voilà, que je voulais repartager avec vous, et je trouvais l'idée plutôt sympa. Vous avez été nombreuses à me donner plein d'idées sur Facebook, je vous remercie vivement parce que ça m'a beaucoup aidée à compléter des jours où je savais pas quoi faire en fait sur le thème de Noël, voilà, même si j'ai plein d'idées, vous m'en avez apporté d'autres et ça, ben, je vous remercie déjà mille fois pour votre collaboration. Donc c'est parti, 10 choses qui m'ont marqué cette année 2015. Donc premièrement, je crois que la première chose qui m'a marqué, c'est bien sûr les 1 an de mon neveu. Donc déjà 1 an, ça passe, j'ai envie de dire, c'était le 9 juillet 2014 qu'il est né. Donc le 9 juillet 2015, on a fêté tout simplement, bah, c'est 1 an. Donc voilà, de gros bisous à mon neveu, à mon frère, à ma belle-sœur. Voilà, c'est, je suis tata pour la première fois. Et voilà, c'est la première fois qu'on a un petit dans la famille. Donc il est chouchouté comme il faut, n'est-ce pas? Ensuite, la deuxième chose qui m'a éventuellement marqué quand même pour cette année, c'est bien sûr l'acceptation de notre prêt pour notre maison et l'achat de notre future maison qu'on va récupérer cette année, enfin l'année prochaine, normalement août 2016, mais ça a été accepté et acheté donc cette année-là. Donc voilà, on va être enfin propriétaire, c'est juste mais trop bien, voilà, on est trop content. On a vraiment hâte de déménager parce que là on manque de place dans cet appartement, c'est juste méga dur de tenir, mais voilà, on tient le coup, il y a plus longtemps à tenir, pas chez Moon aussi, où on va pouvoir vraiment se défouler dans la nouvelle maison, à monter, à courir, à descendre les escaliers à fond, voilà, ça va faire du bien à tout le monde je crois. Ensuite, troisième chose bien entendu, c'est le 23 novembre, ça a été les 8 ans avec mon chéri, donc voilà, 8 ans d'amour, de relation avec mon copain, et voilà, c'est toujours aussi fusionnel, on s'aime toujours autant, et voilà, je me verrai jamais sans lui, parce qu'on est trop habitués l'un à l'autre en fait, on peut pas vivre l'un sans l'autre, même si des fois on se prend un petit peu la tête, hein, faut pas se le cacher, mais je crois que dans un couple c'est un peu normal, mais voilà, on s'engueule jamais trop longtemps, puisqu'après quand on s'engueule en fait, on rigole tous les deux, non mais on est complètement fous dans notre tête, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc je l'aime mon chéri d'amour, et je pense que vous verrez bien sûr d'autres vidéos sur ma chaîne avec lui. Mettez un petit pouce en l'air si vous voulez voir d'autres vidéos avec mon chéri sur ma chaîne. Ensuite, je crois qu'un autre événement qui m'a marqué, ça a quand même métamorphosé un petit peu mon corps, ça a été le commencement du sport. Donc dans la résolution de l'année 2014, j'y croyais absolument pas parce que ça faisait deux fois que je disais allez, faut se mettre au sport et tout, et deux ans que je le faisais pas. Et bah cette année je me suis lancée, j'ai commencé le sport en février 2015, donc à la salle de sport, et j'ai complété après par la suite avec le Top Body Challenge numéro 1 le 25 mai. 3 mois d'effort de... Voilà, j'ai vraiment tenu le coup, je les ai faits jusqu'au bout. Je vous ai posté d'ailleurs une vidéo à ce sujet, vous avez été nombreuses à me soutenir. Je vous remercie mille fois pour tout d'ailleurs. Et je suis très contente de mon parcours. Voilà, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et je continue. Voilà, ce qui est vraiment, voilà, il faut pas s'arrêter. Donc je continue, je suis au Top Body Challenge numéro 2. Comme vous savez, j'avais arrêté pendant 2 semaines puisque j'étais partie à Paris. Puis après, j'avais été malade aussi. Donc voilà, là j'ai repris et du coup j'avais repris à la semaine 1 du Top Body Challenge 2. Voilà, je me remettais bien à fond puisque j'avais commencé Top Body Challenge 2 mais je faisais pas la corde à sauter et tout à la dernière série des 10 minutes, et voilà, et là j'ai tout repris comme il faut avec la corde à sauter, avec tout ce qu'il faut en allant à la salle de sport et tout. Donc j'ai hâte de vous montrer mes nouveaux résultats quand il y en aura. Donc pour l'instant j'en suis qu'à la 2e semaine, donc voilà, j'attends un petit peu avant de vous faire cette vidéo. Et, mais je compte vous faire une astuce en fait un petit peu complément du Top Body Challenge, tout ce que je fais en plus du Top Body Challenge. Je pense que ça peut être une super vidéo pour pas se laisser aller pendant les fêtes de Noël, même si voilà, on fait quand même des petits écarts bien entendu hein, puisque Noël sans chocolat, sans gourmandise et tout ça, c'est plus Noël. Quand on veut, on peut, et que ça marche. Donc voilà, merci mille fois à vous toutes, et j'ai hâte de continuer ce Top 10 Challenge numéro 2 avec vous. Je crois qu'on est en plein dedans. C'est notre soupe de Noël avec Mélanie qu'on prépare depuis août, donc ça fait quand même un petit moment qu'on est dessus, ça fait partie un petit peu de nos 6 derniers mois de cette année. Donc voilà, à commander, à fouiner sur internet, à fouiner dans les magasins, ce qu'on pouvait acheter l'une à l'autre. En premier soupe de Noël, je suis ravie, je pense que ça se voit, n'est-ce pas? Et voilà, ça, je pense que ça sera pas le dernier parce que j'ai énormément aimé préparer ce swap et encore plus regarder la réaction de Mélanie quand elle ouvre les cadeaux, encore plus de découvrir mes cadeaux aussi à moi tous les jours. C'est un pur bonheur, voilà, d'ouvrir ces cadeaux un par jour jusqu'à Noël. On, voilà, c'est top, ça nous fait patienter en fait jusqu'à Noël, et ça j'adore. Donc voilà, hein, j'étais obligée d'inclure ce swap de Noël dans les 10 choses, voilà, qui m'ont marqué cette année. J'ai entendu la vidéo City Paris où j'ai enfin pu faire de très belles rencontres,
de mes youtubeuses chouchoutes, voilà, que je suis depuis des années maintenant. La rencontre avec Audrey Marshmallow, Sandrea 26 France, Elsa Makeup, Truc de Fille, Makeup, Enjoy Phoenix, même si je ne l'ai pas rencontrée, voilà, spécialement, mais je l'ai vue en vrai, enfin, depuis le temps que je la suis, puisque j'ai commencé en même temps qu'elle, faut le savoir, donc c'est pour ça que ça me fait quelque chose quand je la vois et quand je vois tout son parcours, je me dis waouh. Voilà, donc très très fière, ça a été super la vidéo City, je me suis éclatée, je pense que voilà, ça manquait un peu d'organisation, mais c'était la première et voilà, ils se sont quand même pas mal débrouillés, puis ça permet de faire de très belles rencontres. J'ai aussi rencontré Léa Chou, Hippo and Smile, que j'ai fait plein de gros bisous, voilà, enfin plein de belles rencontres. Il y avait Sananas que j'ai vu de loin aussi, malheureusement j'ai pas pu approcher, il y avait Norman, il y avait Cyprien, c'était mes tops, c'était un super événement et je suis sûre que j'y retournerai l'année prochaine, ça c'est clair et net. Ensuite, le deuxième événement qui m'a quand même marqué, ça a été l'événement Zone d'achat à Paris, voilà, puisque c'était quand même un super événement auquel j'ai participé et j'ai pu rencontrer mes petites chéries aussi, donc Laureline 79, Marion Makeup Addict 33, Jessica, plein de belles rencontres aussi. J'espère qu'on se verra toutes de nouveau l'année prochaine, voilà, je vous fais plein de gros bisous à vous toutes. Ensuite, un événement qui m'a beaucoup marqué, que j'ai aimé partager avec mon copain, c'était en mai dernier, je me rappelle, c'était le... Enfin, en mai dernier, mais oui, c'était le 10 mai 2015, avant mon anniversaire, donc avant le 11 mai, c'était un dimanche, et on a été au Vélodrome, première fois que j'allais au Vélodrome, alors que voilà, je suis à 45 minutes du stade, à Marseille, et voilà, pour voir, bah, bien sûr, l'OM, en plus, c'était un super match, c'était OM Monaco, on n'y croyait pas, au bout de 5 secondes, je crois même pas 10 secondes, de Monaco qui marquait dès les premières 10 secondes, on était fous, il n'y avait plus d'ambiance au stade, après on s'est reboosté, on leur a gagné 2-1, mais c'était magique, rien que l'ambiance quand vous marquez un but et tout, mais c'est top, voilà, même ceux qui n'aiment pas le foot, c'est impossible que vous vous éclatez pas au Vélodrome, c'est impossible, je vous assure, l'ambiance est tellement dingue que ça vous prend, vous sautez, vous criez, enfin c'est vraiment génial l'ambiance, et en plus de ça on a pu rencontrer juste avant, puisqu'il a sa boutique pas très loin, bah, Ben Goose, qui pareil lui a commencé sur YouTube et qui maintenant bah, est vraiment devenu quand même connu et il est vraiment super, il est le même que dans ses snaps, dans ses vidéos et tout, il est top et voilà, j'adore, j'avais même acheté un débardeur, mon copain un t-shirt, enfin c'était un super événement, une super rencontre, il est vraiment génial, enfin moi j'avais adoré, donc voilà, Ben Goose à fond. Un petit séjour qui a été super sympa cette année, c'était quand même notre séjour à Cannes, voilà, c'était magique, c'était un hôtel de folie, le 314 c'est quand même un hôtel de dingue avec... Enfin, cette piscine panoramique avec le jacuzzi panoramique sur le Carlton, la mer, les hôtels. Waouh, voilà, c'était vraiment trop beau et je pense qu'on y retournera parce qu'on a adoré. Donc cet événement, voilà, c'était un petit concert, mais voilà, j'ai adoré, c'était la première fois que je le voyais sur scène, donc c'était le concert de Kenji, j'ai adoré, il met l'ambiance, il met le feu, il est encore plus beau en vrai, je me suis éclatée de A à Z, je suis sortie de la salle de concert, je ressemblais plus à rien tellement j'avais transpiré et tout, et en plus je lui avais touché la main à la fin, enfin voilà, truc de folie, j'adore Kenji, d'ailleurs je retourne le voir au Dôme à Marseille en mars prochain. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, de se remémorer un petit peu des souvenirs de cette année, j'ai trouvé ça sympa, c'est innovant je trouve, parce que j'ai jamais vu ce genre de vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire, à me taguer en tout cas si vous avez fait cette vidéo sur votre chaîne. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo pour découvrir le nouveau cadeau du calendrier de l'Avent du Swap avec Mélanie. Je vous fais de gros bisous et à demain, bisous. Numéro 3 de The Body Shop, donc c'est parti, où est-il ce petit 3? Le numéro 3 il est tout en haut, il est gros, c'est une grosse case. Alors, n'oubliez pas à chaque fois de retourner votre petit calendrier. Rendez belles les choses simples. Oh, de beurre de karité. Le beurre de karité. Le beurre corporel 50 ml. Je sais pas si c'est pas à l'amande de celui-ci. Et si c'est à l'amande, c'est mon préféré. Non, c'est karité, mais voilà, c'est le beurre corporel à avoir. En trop bon, c'est un de mes préférés avec l'amande de vraiment de The Body Shop. J'aime énormément. Il sent terriblement bon, là on est gâté niveau hydratation, je pense qu'on va avoir de quoi faire pour le froid qui arrive avec mon copain, entre la Beatrice The Body Shop et ma chérie qui nous offre aussi plein de trucs, donc on est paré pour l'hiver. En plein milieu, allez, 1, 2, 3, yes. Qu'est-ce que c'est que le... Oh, oui. Le premier gros œuf, je suis trop contente. J'aime énormément le goût des Kinder, les gros là, ils sont terriblement bons. C'est le premier de la boîte, je suis trop contente. En plus, il y a un petit bonhomme de neige dessus. Ils ont que mon calendrier de l'avant mignon de ma chérie. Donc le numéro 3, il est tout en bas.
Et c'est une botte. Ah non, c'est un petit ours. Il est trop mignon. C'est trop bon. Tu ris.